raisonnable de la bénédiction, je vais nous proposer de lire quelques versets. Je vais lire Genèse 12, premier à 3, et puis je vais sauter, je vais lire encore dans Deutéronome. Genèse 12, je vais prendre juste la partie de l'introduction, du premier au troisième. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Nous gardons Genèse. Nous allons dans Deutéronome. Deutéronome 30. Verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Vois, 1, 2, 3. Vois, je mets aujourd'hui. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer les ton Dieu. Lisons, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Hein? J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et lui-même il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez, donc la bénédiction peut commencer par les aînés, les prédécesseurs, et ça descend dans toute la famille. Vous voyez? Le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois et des principes établis par Dieu. Il y a des choses qui se font dans l'invisible pour que nous soyons sur la terre sans souci. Vivre sur la terre, nous ne voyons pas ce que Dieu a fait. Il y a des mécanismes, il y a des choses qui se passent. Il y a des normes, il y a des mécanismes qui se déclenchent successivement pour qu'il y ait certains phénomènes que nous connaissons ou pour que nous bénéficions continuellement de la nature et de tout ce qui s'y trouve. Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve, tels que les luminaires, la lune, le soleil, les étoiles. Il y a des planètes qui existent et bien des choses que nous ignorons, qui tous font en sorte que l'homme soit protégé et qu'il puisse bénéficier continuellement de leurs effets. Nous avons plusieurs couches invisibles qui nous protègent ou qui protège la terre afin de nous permettre de bien vivre et de respirer. Si nous respirons, c'est pas parce que nous parlons, c'est pas parce que nous sommes bien, parce que nous sommes beaux, forts, belles. Non, c'est pas parce qu'on a étudié, mais parce qu'il y a des choses que Dieu a établies qui régissent les lois spirituelles. Vous voyez, les mondes vivent selon des principes que Dieu a déjà préparés ou établis. Certains changements climatiques d'après les scientifiques viennent de plusieurs activités chimiques, des industries et d'autres activités scientifiques. Par cette réflexion, j'aimerais dire que si nous voulons vivre certaines choses, nous devrions accomplir ou poser certaines actions ou des gestes. Nul ne peut accéder à un résultat sans respecter la formule qui s'y applique. Amen. On ne peut pas obtenir le kérosène sans que l'or brut ou le pétrole passe par les traitements. Il faut que le pétrole passe par les traitements. Il y a des choses pour lesquelles vous ne devriez pas prier,
mais qui viendront naturellement à cause de votre conduite ou à cause de la conduite de vos prédécesseurs. La bénédiction a des exigences inévitables avant de les recevoir ou de la recevoir. On ne peut pas recevoir la bénédiction comme ça s'il n'y a pas respect, n'est-ce pas, des préalables. Et nous ne pouvons pas nous déconnecter de la vie de nos prédécesseurs facilement comme ça. Il est bien facile de dire que oui, les parents n'influencent pas ma vie, mais je vais vous dire aujourd'hui que si vous êtes des pécheurs, nés pécheurs, c'est parce que Adam avait péché. Si Adam avait péché, donc vous aussi vous êtes des pécheurs. Donc pourquoi vous héritez seulement les péchés adamiques, vous n'héritez pas les péchés de vos parents? Parce qu'Adam est plus loin. Mais nous héritons facilement. Tout le monde accepte les péchés d'Adam. Mais plusieurs refusent d'accepter qu'ils ont aussi des poids spirituels qui descendent dans leur vie, venant de leurs parents, venant de leurs grands-parents. Il y a toujours, n'est-ce pas, des générations maudites par Dieu. Jusqu'à la quatrième génération, n'est-ce pas? Une malédiction peut durer jusqu'à la quatrième génération. Et on peut aussi la prolonger. Parce qu'il y a des gens qui se focalisent seulement dans les choses pour dire c'est la quatrième génération et puis c'est fini. Non, ça ne part pas comme ça. Il faut qu'il y ait un cancer de la malédiction. Amen. On peut prolonger la malédiction. La malédiction peut aussi demeurer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrête la malédiction. Il faut qu'il y ait un mécanisme pour arrêter la malédiction. Pourquoi chercher la bénédiction si on n'a pas fait le mal? Ça, c'est une question que plusieurs personnes peuvent se poser. Moi, je suis bien. Il y a des gens, dès que vous les voyez, dans leur tête, ils n'ont pas de problèmes spirituels. Dans leur famille, tout est bien. Dans leur famille, tout baigne normalement. Ils sont en paix. Vous savez, lorsqu'on est jeune, on grandit et qu'on est dans la maison des parents, on ne voit pas, on ne paye pas des factures, on n'a pas de soucis. On ne comprend pas les réalités à venir. On consomme. On demande souvent. On consomme, on ne se plaint pas. Parce que c'est les autres qui portent le fardeau. Mais dès qu'on atteint l'âge de payer les loyers, de commencer à payer ses habits seuls, de payer des factures, c'est là que l'homme commence à réaliser que s'il était plus sage il y a quelques années, il aurait évité telle ou telle autre chose. Vous êtes avec moi? Il y a des lois que Dieu a déjà établies, que chaque personne doit respecter. Et si vous ne le respectez pas, vous ne vivrez jamais ce que Dieu a prévu pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui n'entrent en jeu que lorsque vous respectez certains principes. Et ça va venir naturellement sans jeûne. Parce que par moment, nous les chrétiens, nous avons transformé les jeûnes comme un mécanisme qui oblige Dieu à nous bénir. Dieu ne va pas te bénir parce que tu jeûnes. Dieu va te bénir parce que tu respectes certains principes. Je vous assure, si vous jeûnez beaucoup, mais vous avez un mauvais cœur, donc Dieu ne va pas te bénir par rapport à ça. Vous avez vu l'acte prophétique qu'on a posé ici. On a demandé à la sœur Bijou de prendre son gilet, gilet manteau, tout ça, de donner à la sœur Abba. Vous voyez, c'est un acte comme ça, banal par exemple. Mais c'est du symbolisme. Ces symboles ou ces symbolismes représentent quelque chose. Donc, c'est-à-dire, pour ces gestes, comme elle est veuve, Dieu agrée cet acte que tu vas poser. C'est juste pour arracher la bénédiction. Mais de tout, comme elle est, elle est orpheline plutôt. Voyez, en voyant Abba comme ça, Michel, on ne peut pas la calculer comme une source de bénédiction. Parce qu'on connaît Michel. On dit à Michel, tu es une étudiante. Pff, c'est rien. Or, Michel, c'est un point de déclenchement des bénédictions. Maintenant, quand l'homme de Dieu parle, si elle était focalisée, non, ah, j'étais dans la chair, elle pouvait garder sa chair, mais elle rate aussi la connexion. En fait, la bénédiction se déclenche avec des petites choses. Il y a certains gestes qu'il faut savoir poser pour accéder à des grandes choses. Mais un homme sage est sensible à la voix de la bénédiction.
Il y a des occasions que Dieu peut vous accorder juste des 30 minutes, d'une heure du temps. Il y a des moments où vous allez rencontrer des gens juste une fois pour toute la vie. Et c'est une connexion que vous ne devez pas rater. Mais vous devez être sensible. Vous devez avoir la spiritualité pour savoir que c'est une connexion de vie. Pourquoi chercher la bénédiction si on n'a pas fait le mal? Je n'ai pas tué des gens, je ne fume pas, je ne prends pas la drogue, je ne bois pas l'alcool, je ne me saoule pas, je ne vis pas dans l'adultère, dans l'impudicité, je n'ai jamais fait du mal aux gens, je suis une bonne personne. Pourquoi je ne peux pas être maudit? Non, ça n'a, si toi tu n'as rien fait, des choses peuvent descendre dans ta vie à cause de tes prédécesseurs. Vous voyez, on ne peut pas facilement accepter les péchés d'Adam et refuser les péchés de nos ancêtres. Même le bébé qui naît, il est pécheur. Pourquoi? Parce qu'Adam a péché. Votre bébé que vous venez d'avoir là, c'est un pécheur né. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont péché quelque part. Mais maintenant, si le grand-père qui est plus proche était un gourou, pratiquant, occulte, sorcier, ou bien si le grand-père était maudit, mais cette malédiction sera héréditaire. Vous comprenez? Plusieurs personnes se perdent avec des réflexions inutiles qui n'ont pas leur place. La bénédiction est une conséquence d'une bonne conduite et d'une certaine obéissance à des lois qui existent soit dans la famille ou dans la religion ou dans la spiritualité. Dieu n'a jamais béni sans les actes ou sans le respect de certains principes. Dieu ne bénit pas comme ça. Présentez-moi une personne qui a reçu une bénédiction seulement comme ça dans la Bible. Dieu n'a jamais béni sans les actes ou sans le respect de ses principes établis. Tout le monde a besoin de la bénédiction car notre bonheur en dépend. Beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils se mettent à réfléchir comme des humains pour dire que je pense que je suis déjà béni et que je ne suis pas maudit. Je n'ai pas besoin de la bénédiction car je suis déjà béni, je suis chrétien. Mes parents, mon père était chrétien. Ma mère était une chrétienne. Et des fois la chrétienté dont on parle des parents, ce n'était même pas la chrétienté. C'était des religieux. Ils allaient à l'église. La malédiction ou l'absence de la bénédiction divine peut vous laisser aussi avoir le succès dans certains domaines. On peut avoir le succès, la percée matérielle, sans être béni. On peut avoir les biens, c'est-à-dire tu as étudié, tu as eu des diplômes, tu travailles, tu as un bon salaire, mais tu es maudit. Parce que la plupart des temps, nous pensons que la malédiction, c'est toujours la pauvreté. On peut avoir les biens, mais on est maudit. C'est-à-dire, vous avez des biens, mais vous avez la malédiction. Maintenant, regardez, vos biens ne vont pas vous amener à la jouissance. Vous aurez plus de problèmes avec vos biens. Vous aurez beaucoup d'argent, mais des enfants malades. Vous aurez beaucoup de biens, mais toujours pas de paix dans la maison. Vous aurez du mal à jouir de votre argent. Il y a plusieurs signes de la malédiction. La malédiction, il y a des gens qui sont trompés par certains signes. Si tu prospères financièrement, cela ne veut pas dire que tu es béni. Tu peux prospérer et être maudit. Voyager, être en Occident, bien voyager, souvent être dans les avions, faire des affaires, ne veut pas dire que tu es béni. Tu peux être dans ces activités-là, commerciales, tu peux croire que tu prospères, mais Dieu n'est pas avec toi. La bénédiction, en fait, c'est qui? C'est quoi? C'est une personne. La bénédiction, c'est Dieu. La bénédiction, c'est le oui de Dieu dans la vie d'une personne. Et tant que tu n'as pas la voix de Dieu dans ta vie, tu n'es pas béni. Amen. Donc la bénédiction, c'est la faveur divine sur nous. Quand Dieu est en accord avec nous, lorsque Dieu nous accompagne lui-même, là nous sommes bénis. Mais si Dieu n'est pas avec nous, nous ne sommes pas bénis. Il y a des riches maudits qui ne sont pas heureux à cause de l'absence de Dieu dans leur vie. L'argent, les maisons, les matériels, les biens de ce monde ne donnent pas la garantie d'une vie bénie. Car on peut les avoir et vivre sous une forte malédiction.
Vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui enterre facilement. Avec beaucoup de voitures, bien, des biens dans la maison, mais des accidents avec ces voitures. Il y a des familles qui connaissent des bouleversements terribles. Vous posez, des fois, vous avez envie de dormir dans leur maison, mais eux-mêmes, ils n'ont pas envie d'y rester. J'étais sur Internet, puis j'ai vu. Je crois. Cette année, j'ai vu une maison, c'est comme un château. Je ne sais pas si c'était des Céline Dion, je ne sais pas de qui qu'on vendait. J'ai dit, waouh, quelle maison. Donc il y a des maisons, je vous assure qu'il y a des maisons, bien-aimés. Ou tu ne sais même pas, si tu habites là-bas, est-ce que tu. Il y a des coins où tu ne vas pas atteindre. Tu peux aller là-bas après un mois parce que tu n'auras pas le temps. C'est vraiment une grande maison. Est-ce que tu vas commencer à te promener tous les jours dans cette maison? Pourquoi? Ce serait un peu fatigant, vous voyez? Mais on peut avoir toutes ces choses et être malheureux. Michael Jackson, malgré tout ce qu'il avait, mais il était malheureux. Donc vous comprenez, les vilains ne donnent pas la joie. Les vilains ne donnent pas la paix. On peut avoir les biens. Lorsqu'on le voyait maquillé, il faisait des gestes comme une femme, je ne sais pas moi, comme... Tout le monde était, Michael, oh Michael, les filles même qui tombaient. Et même, certaines personnes pouvaient... les gens qui connaissent les églises, on peut dire les gens tombent dans les églises. Mais là pour Michael, les filles tombent. Oh, Michael. Parce que Michael était beau. À cause de la beauté de Michael. Sa taille. Il était comme on dit. Il était à la page, il était mince. Il ne prenait pas du poids. Michael Jackson. Avec des gilets faits sur mesure. Tout était spécial avec Michael. Les nez travaillaient, tout travaillait, les cheveux travaillaient. Il parlait comme un bébé. Tout le monde enviait Michael. Tout le monde pensait que Michael était comme waouh, le paradis. Mais lui-même, Michael, malheureux. Lui-même, Michael, était malheureux. Il souffrait énormément. Il y a des gens pour être heureux, pour sourire des fois, ils prennent des piqûres. Mais nous, lorsqu'on les voit rouler dans leur belle voiture, on dit, oh, qu'il est béni, lui. Ah, vraiment, ah, si Dieu me donnait un mari comme ça. Contente-toi de ton chômeur, mais qui cherche le boulot. Contente-toi de lui. Contente-toi de ce monsieur qui travaille à peine, mais qui t'aime. Ah oui, que d'avoir un monsieur qui t'amène beaucoup de choses, mais qui n'a pas le temps pour toi. Et que tu ne contrôles pas. Qui a tellement de rendez-vous avec des maîtresses, mais tout entre dans le cadre du travail, des business. Vous comprenez? Il faut éviter ça. N'envions pas. Deuxièmement, je veux parler de l'héritage familial, source de ce que je vis. Il y a certaines choses que nous vivons qui ne découlent que de notre héritage. Chaque action que nous posons aura des effets dans la vie de nos descendants. Un parent responsable ne peut pas vivre juste pour lui, pour lui-même, mais il tiendra compte de l'avenir de ses enfants dans sa conduite. Vos actes suivront vos enfants. Ce serait méchant de votre part de vous méconduire sans tenir compte que vos enfants en pâtiront. Ils vont subir. Il y a des actes qu'il ne faut pas poser dans la vie. Et dès que vous les posez, rassurez-vous que ça va suivre vos enfants. Mais à cause de l'ego, certains parents ne tiennent pas compte de leurs enfants. Ils veulent vivre que pour eux. Ils vivent, ils s'amusent, ils font n'importe quoi. Ce n'est qu'avant de mourir qu'ils commencent à dévoiler des choses. Et il y a même d'autres qui partent avec les choses qu'ils ont fait. Beaucoup de gens sacrifient les générations futures à cause des plaisirs du moment. Certains enfants héritent de leurs parents des dettes et des fardeaux spirituels. Il y a des gens qui ont des dettes. Et certaines dettes, on les hérite, sont des dettes spirituelles. Le père avait sacrifié. On a sacrifié pour lui. Ils ont fait des choses dans l'occultisme. Il a bénéficié, il a eu l'argent. Quand il part, maintenant les esprits-là veulent récupérer dans sa maison. Ils veulent récupérer dans les enfants. Et les enfants, d'une inconscience exagérée,
Ils ne savent pas qu'il se passe des choses spirituelles. Plusieurs personnes doivent prendre conscience de certaines, de certains événements qui vivent, qui traversent, et prendre le temps de prier, de se consacrer dans les églises. Aller chercher la face de Dieu. Il y a des gens qui ont des héritages spirituels déjà chargés de problèmes. Donc dès que vous entrez dans cette famille, vous épousez la fille, vous épousez aussi des maladies. Vous épousez aussi des problèmes. Vous épousez aussi la pauvreté. Vous épousez la sorcellerie de la famille. Vous épousez les blocages. Vous épousez beaucoup de choses. Toi, tu es dans la joie, tu t'es marié avec la belle et le beau, mais tu t'es marié avec beaucoup de dégâts. C'est parmi les choses que nous ne voyons pas. Nous, on se focalise seulement sur l'aspect physique. Oh, joli vraiment. Beau garçon. Swag. Toujours swag. Lui, nickel. Bien habillé toujours. Wow. Mais, chargé spirituellement. C'est-à-dire avec des fardeaux. Quel est l'héritage que tu as spirituellement? 4 générations avant. Arrière-arrière-grand-père. Païen. Je ne dis même pas sorcier, païen. Arrière-grand-père. Païen toujours. Sous l'art. Ton grand-père direct. Impudique, polygame. Je ne dis pas sorcier, c'est moi. Je prends seulement ça. Ton père, soulard, polygame, et toutes ces choses-là de ses grands-pères. Maintenant, toi, quel est l'héritage que tu hérites? Qu'est-ce que tu reçois comme héritage? Tu ne peux pas hériter la bénédiction. Tu hérites que des problèmes. Est-ce que vous savez ça? Tu hérites des problèmes et ta vie commence avec beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est toi le premier qui doit commencer à changer l'histoire de ta vie. C'est là qu'on voit plusieurs personnes connaissant l'histoire de leur famille et qui ne fournissent rien. Je connais l'histoire de ma famille, je ne fais rien. Je vis seulement comme ça. Vous allez voir quelqu'un qui a des problèmes spirituels tellement, mais qui attend l'église pour les supplier. Pour venir à l'église, il faut qu'on l'appelle. Inconscience totale. Inconscience totale. Certains enfants héritent de leurs parents des dettes et des fardeaux. Tu arrives, tu viens au monde, mais avec des dettes. Tu viens au monde avec des problèmes. Les problèmes de ton père te suivent déjà. Au fait, dans la vie, on ne doit pas se marier avec n'importe qui. Vous savez ça. Il y a une chose qu'il ne faut pas faire dans la vie, c'est d'hypothéquer votre avenir par une personne que vous ne maîtrisez pas. Avec une personne que vous ne maîtrisez pas. On ne s'associe pas avec quelqu'un. Ah, parce qu'il est beau. Elle est belle. On ne fait pas des choses comme ça. Un enfant de Dieu ne fait pas des choses comme ça. Un enfant de Dieu sage doit toujours réfléchir avant de s'engager. Et comme je disais à une personne, on ne commence pas et puis on vient chercher la volonté de Dieu. Si tu commences déjà que tu viens me voir, je vais te dire oui, c'est bon. Parce que moi, je n'ai rien à te dire. Et puis quand tu viens me voir, ne me pose pas de dire exactement la volonté de Dieu. Toi-même, tu dois être convaincu de ta femme. Amen. Ou de ton mari. Amen. Moi, je veux que tu épouses un chrétien et une chrétienne. Amen. Comme la parole le dit. Parce que sinon tu risques de dire, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné du fruit, j'en ai mangé. Alors depuis ce temps-là, Dieu a dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, donc cherche. Amen. Depuis ce temps, Dieu a libéré, tu dois chercher. Frère, chercher. Il faut chercher. Alléluia. Parce que depuis qu'Adam l'a accusé, Dieu a revu les choses. Dieu a dit, non, celui qui trouve. Vous comprenez qu'il faut toi-même, il faut que toi-même tu puisses prier. Avant de te lancer dans les affaires avec des gens, prends le temps de prier. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des aspirateurs.
va aspirer même un mouchoir comme ça. Donc dès que tu mets les bouchons, ça part. Et il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont l'onction des aspirateurs. Donc, dès que tu te connectes avec eux, tout commence à partir. Ça part. Les papiers, tout est aspiré. Donc, ta vie, c'est vide. Et tu te retrouves vidé. On aspire. On ne veut même pas te laisser avec des choses. Je me rappelle l'histoire d'un oncle. Dès qu'il s'est marié, waouh! Dès qu'il s'est marié, on a commencé à aspirer le travail par l'ivronnerie. On aspire, et on a tout aspiré. De telle sorte que toute sa vie, il n'a plus travaillé selon sa formation, selon son niveau. On l'a chassé de l'entreprise. Il a vécu toute sa vie jusqu'à l'âge d'aujourd'hui dans la précarité. Donc, tu peux te marier avec une... Est-ce que je peux dire aspiratrice? Je ne sais pas vraiment, mais... Excusez un peu l'expression. Avec une femme aspiratrice. Donc, qui entre dans ta vie, qui t'aspire tout. De telle sorte que tu ne peux plus progresser à cause d'elle. Tout ce que tu as. J'ai un projet avec des gens. Ah, c'est Samila. Donc, dès que ça marche, on m'a promis, j'aurai à peu près 500 000 $. Aspirateur arrive. Dès qu'elle a l'information. Elle ne sait pas qu'elle, il y a des gens qui la téléguident. Dès que l'information entre dans sa vie, et ils appuient seulement les boutons, pan, ça aspire. Tous les dossiers partent. Je ne sais pas, tu as introduit le dossier quelque part. Depuis que le dossier était introduit, on n'arrive même plus à dire oui. On n'arrive pas à signer ton dossier. Mais les dossiers de d'autres personnes, c'est ça, signé. Mais toi, on a mis une croix. Toi, tu ne peux pas avoir l'argent. Quel est ton héritage spirituel? Et l'héritage spirituel t'aveugle tellement, te pousse à faire de mauvais choix. Il y a des gens qui sont tellement imbus de mauvais choix que le diable les téléguide toujours vers des mauvais choix. Des mauvaises relations. Toi, tu as toujours des gens, des amis qui parlent mal des autres. Tu passes des temps toujours avec des critiqueurs, des murmureurs, des boudeurs, des impudiques, des assassins. Tu ne peux pas avoir de bonnes relations, mais c'est dangereux. Pourquoi tu n'attires que des mauvaises personnes? Pourquoi tu ne peux pas attirer des bonnes personnes? Normalement, un enfant de Dieu, dès qu'il arrive quelque part, les gens doivent sentir. Si vraiment vous êtes chrétien, vous entrez dans une entreprise et que les gens dans cette entreprise ne vous trouvent pas bizarre, c'est que vraiment vous êtes bizarre, alors dans les mauvais sens. Parce que les gens dans l'entreprise doivent vous trouver bizarre par rapport à Dieu qui est en vous. Mais si vous n'êtes pas bizarre dans ces sens, dans les bons sens, donc vous êtes bizarre dans les mauvais sens, ça veut dire que vous n'avez pas la vie de Dieu. Parce qu'ils doivent se dire, lui là, on sent toujours, toi tu as quelque chose, hein. Ta main tu sais, c'est Dieu. Et ils savent, toi mais tu sais qu'il y a quelque chose en toi. Parce que et pendant qu'il parle de bêtises, toi tu ne peux pas parler de bêtises. Mais s'il parle de bêtises, toi si tu es dans les bêtises, non, là il y a un problème. Quel est ton héritage spirituel? Les mondes visibles plutôt fonctionnent selon les principes que Dieu a établis depuis la création. Si vous ne laissez pas de l'argent en banque pour vos enfants après votre mort, ils n'auront rien, même s'ils aiment Dieu. Mais ces enfants sont des enfants qui gênent beaucoup. Ils ne vont rien recevoir. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais expliquer. Si tu n'as pas préparé l'héritage pour tes enfants, qu'ils prient, qu'ils se donnent dans l'église, comme tu n'as pas préparé de l'argent, ni par l'assurance, ni dans un compte bloqué, donc les enfants là n'auront rien. Ce n'est pas une question de prier en ce moment-là. Vous comprenez, non? C'est une question d'épargne. Maintenant, à chaque fois que tu vis, tu épargnes quoi? Tu épargnes quoi? Parce que demain, il y a un héritage qui doit descendre. Tout ce que tu fais pour Dieu constitue un dépôt dans les comptes spirituels. Si tu ne fais rien, pour toi servir Dieu, c'est une mesure de grâce. Tu accordes un peu, tu fais grâce à Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu,
pour la maison de Dieu, pour les gens dans le monde, dans le bon sens, constitue des dépôts. Ça représente des entrées dans ton compte spirituel. Parce que rassurez-vous, de la même manière qu'on peut hériter la malédiction, de la même manière qu'on peut hériter aussi la bénédiction. Ne pense, ne croyez pas plus à la malédiction. Croyez aussi plus à la bénédiction. Alors, il y a des gens qui travaillent dans les deux sens. Ils travaillent pour que leurs enfants héritent la bénédiction et pour que leurs enfants héritent aussi l'argent sur le plan physique. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la bénédiction seulement spirituelle peut tout attirer. Maintenant, la plupart des temps, il y a des gens qui se focalisent seulement sur l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui prend l'assurance d'un million de dollars. Il pense qu'il va enrichir ses enfants. Après toi, ils s'entretuent. Ils se font du mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils ont un million, mais ils sont maudits. Mais tu peux laisser 100 000 dollars. Ou même peu. Ou même rien. Mais si tu laisses la bénédiction, ces enfants-là, avec la bénédiction, iront très loin. Je prends l'exemple. Il y a une personne qui... Je donne cet exemple qui... Vous savez, des fois, les chrétiens, lorsqu'ils veulent... Ils veulent quitter les églises, ils aiment trop insulter les pasteurs. Hein. Ouais, cette personne insultait ses pasteurs, tout ça. Et son église écrivait beaucoup de choses sur Internet. C'est bien. Quand vous décidez de quitter une église, vous prenez le temps d'insulter. Je vais expliquer aujourd'hui qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter beaucoup de problèmes dans la vie. Ça ne vous avance pas dans la vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous savez que vous devez éviter vraiment au maximum, si cela ne dépend que de vous, beaucoup de problèmes avec des gens? Vous n'avez pas de combat seulement avec des sorciers. Les combats que nous avons dans la vie peuvent se déclencher à chaque fois que vous avez des problèmes avec des gens. Les sorciers vont seulement en profiter. Il suffit seulement qu'une personne puisse se détester et commencer à parler mal de ta vie, de toi. Murmurer tout le temps sur toi, ça te crée des problèmes spirituels. Il ne faut jamais oublier ce que je viens de dire. Donc, il y a des gens maintenant qui aiment ça. Qui aiment tellement des problèmes. Donc, dès qu'ils n'ont pas de problèmes, ils trouvent ça pas normal. Ils doivent créer, vivre avec des problèmes. Ne vivez pas comme ça. Si une personne normale peut te causer des problèmes, rassurez-vous qu'une personne qui sert Dieu va te causer plus de problèmes. Est-ce que vous comprenez, non? Et la personne, je me rappelle, la personne avait changé son nom sur Internet pour montrer que toutes les églises... Donc, c'était chaque semaine. Et moi, j'avais dit, je ne vais pas l'enlever. Je vais te garder. Injurie tes pasteurs, injurie ton église, injurie... Moi, je vais te garder, il n'y a pas de souci. Je voyais les injures, toutes sortes d'injures sur Internet. J'ai fait des démarches pour les ramener à l'église, rien. Parce que des fois, nous, lorsqu'on est blessé dans l'église, le prophète Jogas a dit, l'église, c'est quoi? Oh, yeah, Kenelli qui a suffisant. L'église, c'est quoi? L'arche de Noé. Hein? Dans l'arche, c'est comment? Voilà. C'est ça, les odeurs, les bruits, beaucoup de choses. Vous voyez l'église? Alors là, j'ai reçu un coup de fil de la personne. Parce qu'il y a urgence. J'ai dit, quelle urgence? Oh non, si tu ne viens pas, il y a la mort. Moi, j'ai dit, non, je ne peux pas venir comme ça. On est en pleine croisade. Je veux venir comment? Sinon c'est dangereux. Ce sont des choses qu'il fallait éviter. Des fois dans la vie, je crois que les chrétiens doivent atteindre la maturité. Vous voyez? Certaines relations, ne les perdez pas. Parce que ça peut vous servir demain. Même si vous vous séparez avec la personne, séparez-vous bien. Parce que demain, tu auras besoin de cette personne. Il ne faut pas toujours mal se séparer. Il dit, parce que toi, je sais que tu es vraiment quelqu'un de bien. Moi, je dis, oui, je sais que je suis quelqu'un de bien. Mais c'est quoi les problèmes? Oh non, il y a une personne, un proche qui est malade, qui est à l'hôpital. Si tu peux aller le voir, je ne peux pas me déplacer. Dis-moi, il a quel pasteur? Il est dans quelle église? Il n'a pas son pasteur. Oh, lui, priez pas. Moi, j'ai dit, mais c'est ça les problèmes. Donc, vous vivez ici dans le pays, mais vous ne voulez pas prier. Maintenant, quand vous tombez malade, c'est là que les pasteurs... C'est seulement en ce moment-là que vous vous rendez compte que les pasteurs ont l'autorité de chasser les maladies. Hein? Ah, donc c'est maintenant que tu as compris.
Oh, pasteur, pourquoi tu parles comme ça? Tu n'es pas comme ça. J'ai dit, non. Je suis comme ça. Moi, je suis le pasteur de la promesse. Je prie pour les bien-aimés de la promesse. Et je prie pour les gens qui nous respectent. Je ne prie pas pour les gens qui nous manquent du respect. Tu vois? Donc, je ne peux pas. De toutes les façons, ça n'arrange pas. Je suis en pleine croisade. Je ne peux même pas me déplacer. Je ne peux même pas. Donc, tu vois, ça tombe mal. Pasteur, tu ne peux pas me faire ça. J'ai dit non, mais je peux te faire ça. Parce que de toute façon, tu as écrit beaucoup de choses disant que tu n'as pas besoin d'église. Il y a les églises de maison, les églises de bâtiments. Il n'y a pas Jésus. Vous avez dit beaucoup de choses. Maintenant, nous qui n'avons pas Jésus, tu m'appelles moi qui n'a pas Jésus à aller prier. Non, écoutez bien aimé. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Et cette histoire découle de quoi? Ça vient d'où? Ça vient seulement parce que le bien-aimé est allé te disputer de ce que le père avait laissé comme héritage. Et les gens de la famille lui ont dit, on va voir. Et cette phrase-là suffit pour bouleverser sa vie. Et les clous à l'hôpital avec une maladie incurable. Vous ne pouvez parler, vous disputer avec une personne qui est chargée d'énergie spirituelle plus que vous. Il ne faut jamais faire ça. Par moments, je vois des gens qui se leurrent, qui veulent s'amuser avec des serviteurs de Dieu, avec des sorciers. On ne joue pas avec quelqu'un qui a plus d'énergie que toi. On ne joue pas, ça va t'électrocuter. Ça va te créer toujours des problèmes. Même si tu ne le vois pas, ça te créera toujours des problèmes. Il faut savoir respecter les gens qui sont élevés en autorité. Et même, il y a un auteur qui a écrit, bon, ce n'est pas un livre que je conseille, parce que par moments, c'est un peu contradictoire et puis ça égare un peu, mais ça dit des vérités. Combattre sans blessure inutile. Par moments, cet homme est en train d'expliquer dans son livre qu'il y a des combats de territorialité qu'il faut éviter. Si tu n'as pas l'onction de ces territoires, de combattre les géants de certains territoires, il ne faut pas aller dans les combats. Il ne faut pas attaquer brutalement. Tu risques de mourir. C'est comme il y a un pasteur qui a fait la délivrance. Il a prié pour une personne possédée. Dès qu'il a prié pour une personne possédée qui avait la folie, la personne a été guérie. Dès que la personne était guérie, le pasteur est tombé, il est mort. Parce que c'était des esprits très élevés par rapport au pasteur. On a parlé, on a discuté avec le prophète Jogras hier. Il m'a dit, mais vraiment, comment ce pasteur-là est tombé, il est mort. J'ai dit, mais les domaines de la Levante, comme je ne maîtrisais pas ça bien, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et Seigneur m'a fait comprendre que son niveau était inférieur aux esprits. Mais Dieu a fait, à travers le nom de Jésus-Christ, il a l'autorité. Mais lui-même, il n'était pas bien chargé pour chasser ses esprits. Ils l'ont pris. Il y a des choses que nous devons savoir. Les domaines spirituels, on ne joue pas avec ça. Bien aimé, jouer avec des jouets, jouer avec les voitures, jouer avec les supermarchés, aller vous promener, aller dans les cinémas, dans les restaurants, manger. Faites ces choses normales. Mais ne cherchez pas des paroles que quelqu'un parle mal de ta vie. Évitez ce genre de choses. Même ton père, ton oncle, évite qu'on parle mal sur toi. Ce n'est pas bon. Et parmi les choses que les chrétiens ne considèrent pas, c'est les paroles. Faites attention avec une personne qui a les droits dans ta vie, qui peut oser parler mal sur toi. Si tu n'es pas chargé, si tu n'as pas d'autorité, si tu n'es pas en relation avec Dieu, ça va te créer beaucoup de problèmes spirituels. Il faut éviter qu'on parle mal de vous. Tu te disputes facilement avec des gens. Et puis on te lave. Et ça ne va pas me toucher. Ça, on dit non, je suis. Oh non! Ça va te toucher parce que dans les contextes dans lesquels tu fonctionnes, ça va te toucher. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas une bonne vie de prière. Tu dors souvent. Tu dors facilement. Tu es facilement envoûtable. Donc si tu veux dormir, tu dors sans prier. Sans jeûner. Tu fonctionnes sans les jeûnes, sans la prière. Tu n'as pas de temps d'intimité avec Dieu. Comment tu ne peux pas être envoûté? Comment la malédiction ne peut pas te toucher? Bien-aimé, évitons au maximum les problèmes. Si cela ne dépend que de nous, vivons en paix. Et c'est une bonne stratégie dans les combats spirituels. Évite d'avoir trop de conflits avec des gens. Tu tomberas avec 20 sorciers dans les conflits et ils vont s'associer pour te combattre si tu n'as pas la vie de prière. Tu seras éradiqué rapidement de la terre. Ils vont t'enlever.
Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent, qui veulent banaliser ça. Certaines maladies que nous avons, que vous avez, sont des conséquences directes des activités démoniaques. Des conséquences, je dis, directes des activités démoniaques. Je prépare un enseignement que je vais donner au mois de décembre sur les séminaires sur la victoire sur les ténèbres, sur la sorcellerie, toutes ces choses. J'aimerais vraiment parler sur ça, que sur la sorcellerie. J'ai donné plusieurs thèmes que je vais aborder. Ce serait vraiment très bien pour nous expliquer plusieurs choses. Parce que je pense que l'Église, le peuple de Dieu, ont besoin de toujours être enseignés dans ces domaines-là aussi pour rester très éveillés. Amen. Si vous ne laissez pas de l'argent en banque pour vos enfants après votre mort, ils n'auront rien, même s'ils aiment Dieu. Ne l'oubliez pas. Il y a des lois bancaires qu'il faut respecter avant de dire à vos enfants qu'ils auront un héritage de 5 millions. Il y a des choses qu'il faut faire. Si vous ne prenez pas d'assurance vie, après vous, votre famille souffrira à cause de cette erreur. Quelqu'un devait dire amen. Celui qui pense à l'avenir travaillera pour sa descendance afin de pérenniser, afin de l'histoire de sa famille, afin de maintenir l'histoire de sa famille ou le nom de sa famille sur la terre. On a tous un héritage spirituel ou un héritage physique, matériel dans la vie. L'homme peut hériter une bénédiction ou une malédiction dans sa vie. Aussi, nous devons savoir que nos actes ou notre mauvaise conduite peut nous conduire ou nous amener à accumuler les malédictions. Est-ce que vous savez que la conduite de votre père et les mauvaises malédictions qui descendent, ou la malédiction qui descend de vos ancêtres dans les 4 générations ou dans les 2, 3 générations, avec votre conduite, vous allez accumuler des choses? Je vais expliquer. Le péché de ton père, c'est que ton père a eu à faire. Si ça te suit, que toi-même aussi, tu es allé toucher au fétiche. Mais vous ne faites qu'accumuler des choses. Vous comprenez un peu? Ce que moi je fais et ce que j'hérite, ça peut constituer des blocs encore, des ténèbres dans ma vie. C'est pour ça qu'on va voir certaines personnes qui ne font que s'enfoncer dans le mal. Dans certaines familles, on ne voit même pas des signes de lumière. Des gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. Je connais des jeunes très intelligents au Congo. Famille de garçons intelligents, tous intellectuels. Waouh, quelle bénédiction. Mais quand vous creusez, l'occultisme a un niveau très avancé. Papa occulte, raison pour laquelle il a eu des postes. Maintenant, les enfants sont initiés officiellement. Ils n'ont plus honte de porter des bagues. Ils sont dans les loges. Comment voulez-vous que les enfants des enfants de ces messieurs-là soient épargnés? Parce que eux, quand vous, je le vois, sur Internet, je vois qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont rien à envier à l'Occident. C'est des jeunes, mais qui ont beaucoup d'argent. Ils ont des postes. Mais c'est pour combien de temps? On veut vivre avec ça pour combien? Pour 30 ans? Après, ça sera quoi? Les déluges. Parce qu'après, vos enfants, là, qui sont petits, vont grandir. Ils ont grandi dans les voitures, mais demain, est-ce qu'ils seront toujours en vie? Ou après 15 ans, tu vas te rendre compte que ton enfant a des soucis au niveau de la tête. Tout ce qu'on fait, ça peut attirer de l'héritage, des bénédictions ou des malédictions dans la famille. Il faut éviter d'accumuler les péchés, d'accumuler la malédiction. Celui qui n'obéit pas aux lois qui accompagnent vers la bénédiction ne pourra pas laisser un héritage béni à sa famille. Il y a des lois que Dieu a établies qui accompagnent vers la bénédiction. Obéir aux lois de la bénédiction déclenchera automatiquement un processus d'introduction de la famille ou de ta famille dans la bénédiction. Ce que vous ne faites pas en rapport avec votre bénédiction vous retardera ou d'y accéder ou vous empêchera, n'est-ce pas, de voir la bénédiction exploser, s'exploser dans votre vie. C'est, il y a des choses, des préalables, n'est-ce pas, qu'il faut faire pour voir la bénédiction. Dieu dit à Abraham, va-t'en, quitte. Dieu ordonne, Dieu impose une ligne de conduite. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Dieu dit, de ta patrie. En fait, Dieu n'insiste que sur la même chose. Vous voyez? Va-t'en de ton pays. C'est toujours le même ordre. Dieu dit, va-t'en de ton pays,
Va-t'en de ta patrie, vous allez voir. Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, que tu aimes. C'est la même chose. Vous voyez? Mais il veut juste dire, ne négocie pas. C'est la même demande qui reste là. Il précise tout. De ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Donc il n'y a pas de précision par rapport à l'avenir. Mais il y a un ordre. Ce qui attire la faveur, c'est d'abord l'obéissance. Amen. Ici, Abraham devait obéir à l'ordre divin pour entrer dans le, pas dans la bénédiction, mais dans le processus de la bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Ça, maintenant, c'est des promesses. Je te bénirai. D'abord, il faut que tu t'engages dans le processus de la bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras, quand tu deviens une bénédiction maintenant, tu seras maintenant une source de bénédiction. Donc, ta bénédiction ne sera pas limitée à toi-même. Ça affectera d'autres personnes. Et je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire, naturellement, sans que tu ne prononces des bénédictions sur les gens, si les gens te bénissent, eux aussi seront bénis. Voyez comment la bénédiction fonctionne. Donc, tu bénis, Dieu te bénit. On n'a pas besoin de parler. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Quelqu'un qui te maudit, la plupart du temps, on ne maudit pas en face, on maudit dans le secret. Quelqu'un qui te maudit, Dieu aussi le maudit à cause de toi. Vous comprenez, n'est-ce pas, les mécanismes? Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire les familles qui vont croire à ton appel. Troisième point, je parlerai de vivre sous l'inconscience de sa réalité ou sous l'envoûtement. Et ça, c'est dangereux. Ici, nous rencontrons des gens qui ne sont jamais conscients de leur réalité et qui ne fournissent aucun effort pour progresser vers l'excellence. L'envoûtement est la mauvaise chose qui ne doit jamais t'arriver dans la vie. Bien aimé, je préfère avoir des attaques, mais je refuse l'envoûtement. Non, je préfère avoir des attaques tous les jours, mais je ne veux pas être envoûté. Non, pas l'envoûtement. L'envoûtement, c'est une mauvaise chose. En fait, l'envoûtement, tu es foutu. Tu es foutu. Donc, c'est fini pour toi. Et c'est la pire des choses qu'il faut éviter. L'envoûtement, c'est comme tu es là. On est assis ici. On te téléguide. Tu es un joueur, en fait. C'est ça l'envoûtement. Le pire dans ça, c'est que tu ne fais plus ta volonté. Tout ce que tu fais, c'est les actes qui sont ordonnés, téléguidés de loin. Et ça, c'est pire. Et je vous assure que c'est pire, c'est grave, c'est dangereux. Le pire dans ça, c'est de prier maintenant sous la direction d'un envoûté. C'est-à-dire, si le diable arrive à envoûter un homme de Dieu pendant une longue période, c'est fini pour les gens. C'est fini. Parce que tout ce qu'il fera, vous allez croire que c'est bon, alors que ce n'est pas bon. Le diable va commencer à les pousser à poser des actes qui vont détruire l'église. Le diable va commencer à les pousser à faire les péchés. Lui, il ne se rendra pas compte qu'il fait des mauvaises choses. Pour lui, c'est des bonnes choses, mais il ne se rendra pas compte. L'envoûtement, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas être envoûté. Avoir une femme mariée, envoûtée. Elle ne veut pas préparer pour son mari. Elle ne veut pas. Bon, tu t'es marié pourquoi? Elle change, elle établit des lois, elle complique les choses. Après, là, dès qu'on la quitte, là, l'envoûtement part. Et c'est ça le pire. Hein. C'est que le diable enlève un peu l'envoûtement. Il dit, reviens un peu à toi maintenant, tu vas te rendre compte de ce que je t'ai fait. C'est là qu'on se rend maintenant compte que le diable s'est amusé avec toi. Et là maintenant, tu dis, mais qu'est-ce qu'il m'avait pris? Je ne sais même pas ce qu'il m'avait pris. Pardonne-moi. Oh, mais là, on ne veut plus de toi. L'envoûtement est terrible. Bien-aimé, refusez l'envoûtement sous toutes ses formes. Il ne faut pas vivre l'envoûtement. Il y a des gens qui sont envoûtés en permanence. Il y a des gens qui sont envoûtés souvent. Des fois, il est bien. Et par moments, envoûté, vous sentez qu'il y a l'envoûtement ici. Et ce que je dis, c'est tellement vrai. Il y a des gens qui sont envoûtés. Tu sens qu'il y a l'envoûtement. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent facilement vous blesser. Mal vous répondre. Pour rien. Il a des problèmes personnels. Mais il peut facilement te répondre bizarrement. Tu sais pas pourquoi. Pourquoi il me répond comme ça? Puis si tu ne comprends pas, si toi aussi tu es envoûtable, du coup, ça te prend aussi. Parce que l'envoûtement. L'envoûtement est transmissible, je vous assure. Dès que tu parles avec un envoûté,
rassure-toi que tu seras envoûté aussi. Je vous assure. Est-ce que vous savez que les humains sont transmissibles? L'envoûtement, c'est transmissible. Et si vous êtes dans un environnement de quelqu'un qui est envoûté ou quelqu'un qui est dans les ténèbres, vous serez aussi envoûté. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a certains endroits qu'il ne faut pas fréquenter, certaines personnes qu'il ne faut pas fréquenter. J'ai parlé avec un homme de Dieu, il m'a dit, ah, mon cher, comment j'arrive dans cette église-là pour prêcher, mais quelle lourdeur! Il m'a dit, ah, oh, vraiment, Thierry, non, l'église ne peut pas être comme ça. J'ai dit, oui, là-bas, c'est comme ça. Il m'a dit, quelle lourdeur! J'ai tout fait, je monte, mais rien. Il m'a dit, je monte, mais les gens ne comprennent pas. J'ai dit, oh, il n'y a que les gens de Dieu ici qui comprennent ou bien. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Il dit, ils lourdèrent à tel point que tu sens que les gens ne sont pas là. C'est comme si les gens ne sont pas connectés avec toi. Il y a des églises comme ça. Dès que tu arrives, toi-même, tu sens que ce n'est même pas l'organisation. Ce n'est même pas le respect de la liturgie. C'est juste l'envoûtement qui plane dans l'église comme ça. Dès que tu entres dans l'église, toi aussi, tu es reçu par l'envoûtement. Tu ne verras pas, je vous assure, ce que je dis, c'est tellement vrai. L'église de Dieu, c'est là où il y a la vie. Même si on doit respecter les normes, n'est-ce pas, et ecclésiastiques, comme on le dit, ou bien certaines théologies, exigences théologiques et consorts. Mais l'église est un endroit où Dieu se manifeste. Si l'église devient un endroit où dès que tu entres, tu deviens un peu glacial et puis un froid, tu dois juste faire des signes, des mouvements. On ne veut même pas. Mais c'est quoi cette église? Les gens doivent vivre dans l'église. Alléluia. Il y a des églises, dès que tu arrives, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas rester là-bas. Parce que ton amène là, je te regarde bizarrement. Ton amène là. On ne veut pas que tu dises amen. Tu sens que tu ne peux pas adorer Dieu. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer par chasser les démons dans cette église. Parce que Dieu ne se manifeste pas là où l'atmosphère est chargée par l'envoûtement. Et tu ne pourras pas servir Dieu dans cet envoûtement. L'envoûtement bloque même les prédicateurs. Ça bloque même les dons. Ça frustre l'onction. C'est pour ça que des fois, certains hommes de Dieu, dès qu'ils arrivent dans un endroit, ils trouvent qu'il y a la lourdeur. Ils doivent commencer d'abord par la prière. Parce que tu risques d'échouer dans ce que... Tu as bien préparé, toi tu n'as pas de problème, mais l'envoûtement va fonctionner. Parce que l'atmosphère du lieu va t'empêcher d'écouler. Et surtout, sur les dirigeants numéro un. Parce que l'onction commence sur la tête d'Aaron, n'est-ce pas? Ça descend. Mais si la tête est envoûtée, il faut faire d'abord des prières d'autorité. Et là, après, tu coules. Maintenant, un envoûté qui est habitué dans un endroit envoûté aura du mal à prier dans votre église ou dans une église où il y a plus l'Esprit de Dieu. Il va croire que vous exagérez. On ne peut pas rester calme. Pourquoi on doit rester calme? Parce que dans son palais, tout s'écrit. Mais pourquoi tu veux qu'on reste calme? Au ciel, il y a tellement de bruit. Je ne sais pas comment Dieu s'arrange, mais c'est comme ça, lisez l'Apocalypse. Mais il y a certains chrétiens, d'après eux, le ciel, on sera. Alléluia. Mais si c'est vraiment ça le ciel, c'est la tristesse. Je ne pense pas que Dieu s'est arrangé pour que le ciel soit comme ça. Alors vous n'arrivez pas à dire amen. Hein? Donc vous croyez à ça. Non, il ne faut pas croire que le ciel, Dieu vous a préparé le ciel pour que ce soit seulement la tristesse. Ou bien que vous restez seulement comme ça, comme c'est un statut qu'on voit, des choses qu'on nous présente, on fait la tête comme ça. Non, je n'ai pas ça, le ciel. Je ne crois pas à ça, pas du tout. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on puisse vivre comme ça. Je pense qu'il y a des meilleures choses là-bas au ciel. Alléluia. Prier dans une église où l'envoûtement vit dans la tête des dirigeants est un danger terrible pour la vie des fidèles. Vivre sous l'envoûtement est comme conduire la voiture. Les yeux aveuglés. Donc un envoûté, c'est quelqu'un qui ne voit pas. C'est un aveugle. C'est une personne téléguidée. Car un envoûté ne le croit jamais. Un envoûté ne croit jamais qu'il est envoûté. Il n'acceptera jamais qu'il est envoûté. Pourquoi? Parce que l'envoûtement est sur lui.
L'envoûtement l'empêche de croire qu'il peut être envoûté. Un envoûté peut vous dire, est-ce que moi je peux être envoûté? C'est l'envoûtement. Un envoûté peut dire, je ne peux jamais être envoûté. Mais si vous voyez ses actes, vous allez vous rendre compte que comment lui, à son âge spirituel, il n'arrive pas à comprendre que un chrétien doit avoir la vie de prière. Pourquoi il n'arrive toujours pas à prier? Pourquoi il fait toujours les mêmes erreurs? Donc c'est un signe de contrôle, d'envoûtement. Mais lui ne se rendra jamais compte. On l'a aveuglé par rapport à ça. C'est pour ça que vous allez voir qu'un serviteur, quelqu'un qui aime Dieu, qui sert Dieu, à un certain âge spirituel, des fois prédicateur, mais envoûté dans un domaine. Le diable ne veut pas qu'il avance. Le diable ne veut pas qu'il perce. Le diable l'empêche. Et lui ne va jamais accepter qu'il est envoûté. L'envoûtement peut venir de plusieurs façons, même à l'église. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas prier. Je disais au frère, je crois Tom hier, je disais, tu sais, le dimanche lorsqu'on était là, il y avait une sorcière à l'église. Et puis, le dimanche passé, j'ai dit, il y avait une sorcière ici dans l'église. Et puis, pasteur, comment tu as dépisté ça? J'ai dit, oui, il y avait une sorcière dans l'église qui était venue. Et puis, moi, je savais qu'elle était là. Mais, amen. Et puis, pendant que je parlais avec les prophètes, je lui disais, est-ce que toi, tu détectes facilement? Pasteur, avant, je ne détectais pas. J'arrivais pas à détecter les gens qui étaient dans la sorcellerie. Je ne croyais pas. Jusqu'au jour où je dormais un jour à la permanence. Je ne croyais pas trop à la sorcellerie, je ne détectais pas les sorciers. Un jour, j'ai dormi, j'ai vu une sœur qui préparait pour nous mettre des choses dans la nourriture. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que. Donc, j'étais malade à cause de ça. Je lui ai dit, sœur, donc toi, tu es sorcière. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit directement, oui, nous, je suis sorcière. Elle a dit, pasteur, j'ai eu froid. J'ai dit, tu ne prépares plus pour nous. Et depuis là, on l'a mis de côté. On a dit, tu passes à la délivrance ou tu sors. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas voir. Tous ceux qui viennent dans l'église ne viennent pas prier. À chacun sa grâce, à chacun ses dons. À chacun ses capacités. À chacun aussi ses problèmes. Ne pars pas t'associer avec une personne qui a trop de problèmes spirituels que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Tu veux commencer des relations d'amitié, développer des projets avec une personne qui va t'aspirer. Tu prends 40 000 dollars, 40 000 euros, 50 000 dollars, vous mélangez pour faire les affaires. Dès que tu commences, à cause de cet aspirateur à côté de toi, tout part. Et je vous assure qu'il y a des gens qui aspirent. Il y a des relations qu'il faut éviter. Ça va t'aspirer. Tu vois même le mariage, la joie avec ton mari, là, ça part. Ça part. Ça part. Tu vois la joie avec ta femme, ça part. Tout est aspiré. Il y a des gens qu'il ne faut pas introduire dans la vie, je vous assure. Ça peut passer comme banal, mais c'est vrai ce que je dis. Parce qu'une personne... Je me rappelle, on était très jeunes, il y avait un monsieur, un ami à mon père, qui a étudié avec mon père dans le passé. Mais il était venu chez nous avec une enveloppe, je crois. Lorsqu'il est plus jeune, avec une enveloppe, mais parfumée. Cette enveloppe était envoûtée. Le jour que le monsieur... J'avais, je crois, 13 ou 14 ans. Il a laissé cette enveloppe chez nous. Mais vous pouvez sentir que la maison, la parcelle était comme chargée. Il y avait de l'énergie. Pourquoi? Parce que cette enveloppe était, lui, il était dans la magie. Il y a certaines relations qu'il faut éviter dans la vie. Certaines personnes viennent à l'église non pour prier. Il y a des gens qui viennent dans les églises pour espionner. Il y a des gens qui viennent à l'église pour prendre les rapports de l'église, à les donner à un pasteur qui l'a envoyé. J'ai dit des choses que je sais qu'on a vécues, que vous ne savez pas. Il y a des missionnaires en bilan qu'on envoie, des espions, n'est-ce pas, 007, qui viennent dans les églises avec des tâches spécifiques de prendre des notes et d'observer des gens qui viennent prier dans cette église-là pour aller donner des rapports. Alors maintenant, toi, tu peux voir des gens, tu crois que cette personne est venue prier et la personne n'est pas venue prier. Il y a des gens qui viennent prier, mais il y a des gens qui viennent en mission de travail. Il a son... Pendant que toi, tu penses qu'il prend l'autre, il ne prend pas. Pas nom des prédications, il prend nom de tout ce qui se passe dans l'église. Il observe tout et il prend les notes et il va donner les rapports à celui qui l'a envoyé.
La même façon qu'il y a des espions comme ça, 007 visibles, il y en a aussi des cassés. C'est-à-dire des sorciers qui viennent en mission pour chercher des esprits faibles dans l'église par lesquels ils vont entrer pour semer la zizanie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je vous assure que si vous êtes spirituel, que si nous restons dans les choses du Seigneur, dans la spiritualité, l'ennemi ne pourra pas nous toucher. Pourquoi le diable fait ça? Pourquoi le diable filtre l'église? Il infiltre l'église parce qu'il sait que l'église est une source de bénédiction. Maintenant, il faut casser l'attachement des chrétiens à l'église. Parce que si les chrétiens s'attachent à l'église, leur vie seront sécurisées, n'est-ce pas? Et ils verront la bénédiction, la prospérité s'attacher à leur vie. Il faut les déconnecter de la source de bénédiction. L'église est une source de bénédiction qu'il ne faut pas négliger. Je rappelle lorsque l'on était petit, mon père prenait une fleur, il coupait tout le temps, il mettait sur la chaussette. Des fois, il m'envoyait aller couper, puis je lui donnais. Peut-être qu'il croyait à ça comme une chance. Mais c'était, on avait ça dans la parcelle. Il coupait ça. Ma mère peut se rappeler de ça. Chaque matin avant d'aller au travail, on coupe ça, il met ça dans la chaussette. Il doit fonctionner avec. Devant les longs moments. Il fonctionne avec. Mais c'est pas ça la bénédiction. Et la bénédiction, c'est pas comme ça. La bénédiction, c'est vraiment Dieu. Amen. Alléluia. C'était des croyances. Il y a des lois qu'il faut respecter. J'en parlerai le jeudi. Il y a des lois qu'il faut respecter. Tu n'auras pas besoin de faire d'autres choses. Tu les respectes naturellement, tu verras la bénédiction. Tu ne les respectes pas, tu repousses ta bénédiction. Alléluia. L'envoûtement est un mauvais sort qu'il ne faut jamais accepter dans sa vie. Si tu n'es toujours pas conscient de ta réalité, alors que ça ne va pas dans ta vie, tout le monde voit que ça ne va pas, mais toi tu ne comprends pas. C'est qu'il y a vraiment un sérieux problème spirituel d'envoûtement dans ta vie. Alors cherche pas l'adoration, la délivrance. C'est pas l'adoration. Je vais expliquer. Maintenant, regardez l'envoûtement. L'envoûtement, qu'est-ce que ça fait? L'envoûtement va te désorienter. Au lieu de commencer à combattre quelque chose là, l'envoûtement va mettre pour ça adorer. Je vous assure. Et c'est vous. Mais comprends l'envoûtement, ça va t'aider. Hein. L'envoûtement, c'est terrible. On a reçu un serviteur qui avait des problèmes spirituels. Mais lui-même, le serviteur, savait qu'il était attaqué. Et on était avec les pasteurs, lorsque le serviteur est venu, il a expliqué sa maladie, les problèmes, beaucoup de choses que le serviteur vivait, tout ça. On a compris seulement que non, le serviteur lui-même était attaqué. Je ne vais pas donner les informations, les détails, pas du tout, mais c'est un serviteur qualifié qui dirige. Alors, une assemblée. Alors, on dit, bon, ça va, mettons, on va prier. Dès qu'on a commencé à prier, les démons là, dans les serviteurs, le numéro 1 d'une assemblée. Les démons se sont tellement manifestés. J'ai dit à quelqu'un, si on devait nous aussi commencer à mettre des vidéos sur internet, il y aura beaucoup de scandales. Les démons ont parlé. Faites attention. Faites attention. Les démons ont terriblement parlé. Même la façon dont ils l'ont possédé. Un homme de Dieu doit avoir des principes. Des fois, à l'église, les gens, tout le monde veut avoir les pasteurs. Les pasteurs ne doivent pas manger tout. Les pasteurs ne doivent pas. Si je suis envoûté, l'église aura des problèmes. Vous voyez, c'est un pasteur qui commence à se méconduire. Vous ne savez pas pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il est une mauvaise personne. Non, il a été envoûté, on ne le soutient pas. On lui fait manger n'importe quoi. C'est pour ça que par moment tu ne sens pas, ne mange pas. Et le pasteur ne doit pas répondre dans toutes les fêtes. Vous voyez? Non, le pasteur ne doit pas répondre. Est-ce que vous savez que le pasteur, le ministère prophétique, le ministère exercer, servir Dieu, c'est un mystère, c'est beaucoup de complications. Les diables cherchent à abattre les hommes de Dieu. De plusieurs façons.
Et là, si je vous donne les détails de l'infiltration des démons dans ces serviteurs de Dieu là, à cause de ce que vous buvez là. Quelqu'un peut te donner du jus, mais envoûté. Et toi, au soleil de te préparer dans la prière, tu ne te prépares pas. Mais les démons entrent. Et maintenant, ça commence à te créer la maladie. La maladie avait la source et des problèmes dans la santé, des problèmes dans la nuit. À cause de ce que tu as bu seulement, la boisson que tu as consommée. Et l'homme de Dieu était possédé. Possédé par un esprit géant. Et on l'a menacé terriblement. Bien-aimés, j'aimerais vous dire d'éviter. Vous ne pouvez pas manger n'importe quoi. Même si vous avez la viande, c'est bien, bien apprêté. Bien-aimés, priez toujours. Prions toujours avant de manger, avant de boire. J'insiste, prions avant de boire. Prions avant de manger. Alléluia. Parce que vous ne savez pas, le monde est tellement compliqué. Les choses sont tellement compliquées dans ce monde qu'il faut éviter. Il y a des lois incontournables pour atteindre la bénédiction. Tu ne seras jamais béni en désordre. Tu dois d'abord quitter parce que ton environnement va t'empêcher de vivre la bénédiction. Tu dois d'abord te déplacer parce que c'est dans les déplacements que tu apprendras d'autres choses. Dieu permet des fois qu'on quitte certains lieux habituels pour aller dans les endroits isolés pour nous bénir là-bas. Afin d'empêcher certaines personnes de nous voir dans la gloire. Parce que si certaines personnes te voient tous les jours, ces gens auront toujours le contrôle sur toi. Dieu permet des fois des déplacements pour empêcher que les gens te voient. Je vais conclure pour dire, et ça c'est ce que je dis, c'est la vérité. Je parlerai de ça en décembre. Mais l'une des machines sataniques, je ne dis pas, je ne suis pas contre Facebook parce que je l'utilise. Mais j'ai dit que Facebook a attiré beaucoup de combats dans la vie des gens. Retenez ce que je viens de vous dire. Vous n'êtes pas obligé d'exposer vos vies dans les détails sur Facebook. Faites attention. Même si vous êtes dans la joie, faites attention. Il y a des photos que j'ai qui restent dans les portables. Il y a des photos que je ne maîtrise jamais. Donc, ce n'est pas que j'ai peur des démons. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai peur de rien. Mais je ne veux pas augmenter des combats inutiles et à moi et à mes enfants. Cette intelligence n'est pas la peur. C'est juste la sagesse. Et la prudence du serpent. Et la simplicité de la colombe. Tu peux être fort, mais tu évites les combats. Tu ne dois pas te battre tout le temps. Et si quelqu'un vient te poignarder dans les dos. Donc comme tu as fait les jujus, tu vas commencer à taïchi, tu vas commencer à te battre tout le temps avec des gens. Non, ce n'est pas parce que tu as fait les taïchi, tu vas commencer à te battre avec les gens tout le temps. Ou bien tu as fait les restes. Tu n'as pas commencé à te battre avec tout le monde tout le temps. Parce que quand tu te bats avec une personne en face, tu risques d'avoir quelque chose derrière. Donc il faut par moment aussi s'asseoir et mener la vie dans la tranquillité. Éviter trop de problèmes dans la vie. Ça vous retarde dans la bénédiction. On ne bâtit pas dans la guerre. On bâtit dans la paix. Nous sommes déjà en guerre avec l'ennemi Satan et son royaume. Nous devons éviter d'exagérer, d'augmenter des problèmes dans nos vies. Vivez en paix avec le Seigneur. Gardez la sagesse. Ne négligeons pas la vie des prières. Ne dors jamais sans prier. J'insiste. Ne dors jamais sans prier. L'une des choses qui nous protège de ce qui est des ténèbres, c'est la prière. Ne dors jamais sans la prière. Avant de dormir, même si tu es fatigué, mets-toi un peu sur le lit. Parle à Dieu. Seigneur, cette nuit, je dois dormir. Je veux que tu me parles. Même si tu n'es pas prophétesse, tu vas voir des choses. Je veux que tu me parles, mais je ne veux pas être envoûté. Je ne veux rien de l'ennemi. Au nom de Jésus, amen, je dors. Il faut savoir prier avant de dormir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va continuer le jeudi. Prie après moi, Seigneur Jésus. Garde-moi dans les bons chemins. Éloigne de moi tout ce qui n'est pas de toi. Donne-moi la force, donne-moi l'intelligence de vivre ma spiritualité avec le Saint-Esprit. Je veux vivre la victoire, ma bénédiction que tu m'as donnée en Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Dirige mes pas au nom de Jésus-Christ. Garde-moi fidèlement attaché à toi et loin de ma famille, tout ce qui ne vient pas de toi.
tout ce qui vient de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi à comprendre, à discerner les lois de l'esprit, les lois pour atteindre ma bénédiction, et que je les applique dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la sagesse. Je bénis mes soeurs, je bénis mes frères, je bénis l'église, je bénis tout le monde qui nous a suivis. Je te prie, Seigneur, de nous garder sur le bon chemin pour que nous puissions nous appliquer à ta parole. C'est là, dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.